cette présentation d'été de BTC TBS, vous savez que durant l'été, eh bien, il y aura encore une présentation, donc le mercredi qui vient, et ensuite, à partir du 15 juillet, après le 15 juillet, nous aurons une présentation par semaine, le mercredi uniquement. Et nous reprendrons donc les deux présentations semaine à partir de début septembre. Donc voilà, les ceux qui voudraient inviter du monde, eh bien sachez-le. Et puis également donc pour cette présentation semaine, eh bien encore une fois mercredi et ensuite une fois par semaine après le 15 juillet. Avant de débuter cette présentation, je voudrais quand même vous signaler une chose, c'est que les présentateurs que nous sommes, c'est-à-dire pour le moment Jean-Pascal Slonina et moi-même, Jean-Louis Verron, eh bien, nous faisons ces présentations d'une manière tout à fait bénévole. J'ai cru comprendre par rapport à des retours et des commentaires que j'ai eus que les gens pensaient que nous étions employés par la compagnie et que nous faisions ça donc d'une manière rémunérée. Ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes comme vous, nous sommes des membres à part entière, exactement comme vous toutes et vous tous. Et par contre, eh bien, comme nous avons la connaissance, la conviction que cette société nous amène énormément et qu'elle peut amener énormément à tout un chacun, nous avons décidé d'une manière tout à fait bénévole de faire ces présentations. Voilà, cette mise au point, je pense, était nécessaire de manière à ne pas créer la confusion qui semblait persister, en tout cas chez chacun. Nous allons voir donc cette crypto-monnaie, la bonne initiative, pourquoi, et c'est ce qui va défiler durant les slides et ce que je vais vous expliquer. Donc, les crypto-monnaies sont appelées à remplacer la monnaie fiduciaire. Oui, cette monnaie fiduciaire qui, aujourd'hui, est, comme vous le savez, gérée par une minorité d'individus sur la planète où ceux qui sont à la tête du système monétaire font absolument la pluie et le temps et décident également de tout ce qui se passe. Et nous tiennent effectivement sous un espèce de joug où nous sommes de véritables moutons. Et en fait, cette monnaie fiduciaire, même si elle nous rend bien service, eh bien, certaines personnes ont voulu créer une autre monnaie, cette crypto-monnaie, de manière à pouvoir établir un système parallèle et qui puisse nous permettre, eh bien, d'avoir plus de contrôle en tant que peuple sur cette monnaie et nous permettre de réaliser des transactions d'une manière tout à fait sécure et d'une manière beaucoup plus intelligente et plus discrète également. Alors, il y a eu 2008, cette première monnaie qui a existé qui s'appelle le Bitcoin. Et aujourd'hui, ce Bitcoin, qui ne valait pas un pélo lorsqu'il a démarré parce qu'il avait une valeur de 2 cents par rapport au dollar, aujourd'hui a une valeur qui dépasse largement les 2000 dollars. Donc, vous voyez qu'entre 2008 et maintenant, il y a eu véritablement une envolée par rapport à cette monnaie. Il y a d'autres monnaies qu'on rejoint aujourd'hui et qui ont de plus en plus le vent en poupe également, qui sont l'Ethereum et qui sont le Litecoin. Et puis il y en a d'autres également qui sont en train de poindre et qui également donc vont grimper. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui le Bitcoin eh bien s'inscrit comme une valeur refuge ainsi qu'une valeur spéculative. L'Ethereum a pris le pas également par rapport à cette valeur refuge et cette valeur spéculative. Et d'autres monnaies, je vous l'ai dit, des crypto-monnaies arrivent à grand renfort et vont également, eh bien, permettre de diversifier l'ensemble de ces crypto-monnaies. De plus en plus de sites sur le net permettent aujourd'hui d'acheter des produits avec des bitcoins. Le marché du luxe a été un des premiers marchés qui s'est ouvert donc aux possibilités de faire des transactions en bitcoin. Et puis aujourd'hui, eh bien, pas mal de commerçants eh bien, vous permettre sur le plan international de pouvoir acheter leurs produits en les payant en Bitcoin. Un des premiers pays précurseurs, comme d'habitude, sont nos amis suisses, qui ont déjà installé des distributeurs de billets ferroviaires qui sont payables en Bitcoin directement, donc à travers leur gare. Et puis, il y a des échangeurs de monnaie en Bitcoin qui sont installés, bien évidemment, en Suisse, mais également dans tous les pays du monde aujourd'hui. Alors, il est vrai que j'avais demandé à celles et ceux qui avaient cette connaissance de nous indiquer s'ils savaient que des distributeurs existaient en France. Je sais qu'il y a donc Paris, Montpellier, il y a Toulouse.
Maintenant, peut-être qu'il existe d'autres villes en France. En tout cas, en Suisse, il y a plusieurs villes qui sont installées et dans l'ensemble de l'Europe également. Et puis, une première banque en Bitcoin s'est ouverte en Autriche et il y a déjà maintenant quelques mois. Et pour le moment, eh bien, je pense que c'est la seule, mais que à partir du moment où l'Autriche s'est ouverte par rapport à cette banque en Bitcoin, eh bien, il y aura d'autres banques qui s'ouvriront à travers l'Europe. Tout ceci pour vous dire que notre entreprise, eh bien, Fort Group, en tant que précurseur, s'est déjà inscrit dans le cryptage et dans les transactions de ces nouvelles monnaies. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, eh bien, de pouvoir vous proposer ce business en partenariat commercial, puisqu'il s'agit bien d'un partenariat commercial et les gens qui sont avec nous sont des gens qui prennent leurs décisions, qui sont des gens responsables, qui sont des gens motivés et qui veulent aller de l'avant pour créer ce business en partenariat. Et ce sont des gens qui ont la pleine responsabilité de leur choix, tout du moins en ce qui concerne le fait de nous rejoindre. Donc, nous proposons eh bien, des CryptoPacks qui sont le produit du travail qu'effectue TBS déjà depuis un certain temps, tant au niveau du minage de ces crypto-monnaies qu'au niveau de la transaction de ces crypto-monnaies. Le minage, c'est le fait de pouvoir produire en fait de la monnaie, de pouvoir produire du Bitcoin, de pouvoir produire d'autres crypto-monnaies, bien évidemment. Et pour ce faire, il faut être équipé avec des ordinateurs très puissants, avoir des ressources sur le plan de la consommation d'énergie, parce que pour produire du Bitcoin, ça demande énormément d'énergie, et donc d'avoir des gens compétents de manière à pouvoir réaliser ce travail. Donc c'est un travail de production. Et puis, il y a également ce que l'on appelle la transaction, qui en fait se trouve être du trading. Et grâce à cette deuxième opportunité qui est le trading, eh bien, nous pouvons, sur l'ensemble de BTC TBS, vous produire des rémunérations grâce à des bénéfices engendrés par ces deux moyens d'action. Voilà, donc je répète, la façon dont on peut vous créer ce partenariat commercial, c'est grâce au minage et grâce au trading. Nous avons créé il y a quelque temps le CryptoPack Wisdom. Alors ce CryptoPack Wisdom, cette proposition donc de partenariat commercial professionnel, c'est créé pour générer des bénéfices qui sont réellement exceptionnels. Bon, vous allez voir pourquoi c'est exceptionnel dans les slides à venir. Mais pour votre info, en ce qui concerne l'ensemble de la crypto-monnaie, vous savez que, ou vous ne savez pas, mais que pour que les transactions s'effectuent, il faut que, d'une part, il y ait des plateformes qui permettent ces transactions. Surtout, surtout, la première des choses qui était associée au Bitcoin a été la création de la technologie blockchain. Cette technologie blockchain, elle est absolument indispensable pour vous permettre, grâce au minage, de pouvoir enregistrer de manière indélébile la production des Bitcoins, la production des Ethereum, la production de l'ensemble des crypto-monnaies. Et puis, la première qui a bien sûr eu lieu, c'était le Bitcoin. Et cette technologie était nécessaire pour justement pouvoir permettre d'enregistrer ces premières crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous avez Natixis, Société Générale BNP, qui font partie d'une quarantaine de grandes institutions à travers le monde, qui ont investi 7 millions de dollars dans une start-up new-yorkaise qui s'appelle Airdrop. Savoir qu'il y a quand même une quarantaine d'institutions à travers le monde, dont françaises, qui ont signé ce chèque de manière à permettre à R3, qui est cette start-up new-yorkaise, de pouvoir développer cette technologie blockchain de manière à la rendre beaucoup plus performante. Donc, vous voyez que pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler effectivement de cette crypto-monnaie, quand vous entendez et quand vous voyez qu'il y a eu une de 107 millions de dollars avec des gros groupes français, vous pouvez vous dire que ça n'est pas pour disparaître demain matin, mais c'est bel et bien pour être de mieux en mieux et de plus en plus performant de manière à produire de plus en plus de crypto-monnaies et de lancer ces applications
d'une manière beaucoup plus remarquable encore. Donc, ça va permettre, eh bien, à l'ensemble de ces crypto-monnaies de se conforter. Et puis, l'Ethereum, il faut savoir derrière qu'il y en a d'autres également. Donc, soyez rassurés, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est en plein essor. Je vous rappelle que c'est la plus grande levée de fonds au monde jamais réalisée dans la technologie de registre distribué. Parce que ça, c'est exceptionnel d'avoir une levée de fonds pareille pour effectivement renforcer cette technologie qui, je vous rappelle, existe déjà et est déjà très, très performante. Mais ils ont l'intention de la rendre beaucoup plus performante. Alors, comment accéder? Je vous ai dit dans les slides précédents, on verra comment accéder au CryptoPack Wisdom. Eh bien, vous pouvez acheter un CryptoPack Wisdom qui va de 2000 dollars à 50 000 dollars. Or, en ce moment, jusqu'au 12, donc dans 2 jours, vous allez pouvoir avoir accès à ce CryptoPack Wisdom seulement avec 1000 dollars. C'est en fait une possibilité que nous offre la compagnie de manière à pouvoir eh bien, accéder plus facilement à ce CryptoPack Wisdom. Mais sachez que ensuite, eh bien, pour accéder à l'achat de ce CryptoPack Wisdom, il sera nécessaire d'avoir 2000 dollars minimum et 50 000 dollars maximum. Alors vous voyez que le ticket d'entrée, eh bien, et quelque chose, je dirais, qui n'est pas insignifiant, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'exagéré. Et puis, sachez que dans un partenariat commercial, pouvoir démarrer avec 2000 dollars, c'est juste absolument incroyable, puisque aujourd'hui, si vous voulez vous installer en tant que commerçant, artisan, profession libérale, je peux vous dire qu'avec 2000 dollars, c'est même pas la peine de l'envisager. Il vous faut au minimum entre 20, 30, 40, 50 000 dollars pour pouvoir démarrer. Parce qu'il n'y a pas que l'installation, il y a également le fait de pouvoir avoir des finances suffisantes de manière à permettre à l'ensemble des charges qui vont vous incomber pendant une année, eh bien, de pouvoir effectivement les supporter. Ça veut dire que dans un prévisionnel, vous allez avoir besoin de quelque chose qui sera du minimum de 10, 15, 20, 30, 40 000 dollars pour pouvoir accéder à ça. Et sachez que avec cette somme, vous n'êtes même pas sûr de dégager un salaire avant 1 an ou avant la deuxième année ou la troisième année. Donc là, c'est vraiment exceptionnel et j'espère que vous en prenez conscience, puisque dans ce partenariat commercial, 2000 dollars vont vous permettre de dégager des bénéfices qui seront absolument prodigieux, puisque le bénéfice donc est de 30% par mois, enfin 330% sur 11 mois. Il est bien question de partenariat commercial, il n'est pas question d'investissement, on est bien d'accord. On n'est pas du tout dans le domaine de l'investissement, mais du partenariat commercial. Ça veut dire que, en fait, vous êtes copartenaire avec la compagnie qui, elle, a le savoir-faire donc de pouvoir produire des bitcoins, des Ethereum et d'autres crypto-monnaies et de pouvoir également trader puisqu'elle a des spécialistes avec des algorithmes qui permettent de réaliser effectivement ces bénéfices. Donc, ce partenariat est fait et les bénéfices sont répartis sur l'ensemble des membres. Alors, pour acheter donc des CryptoPacks, vous devez obligatoirement ouvrir une plateforme qui va vous permettre donc d'envoyer euros ou dollars de manière à pouvoir les transformer en Bitcoin. Ensuite, vous pourrez donc ajouter des fonds depuis votre espace personnel sécurisé BTC-TBS, qui bien évidemment, pour les nouveaux, il sera également important d'ouvrir cet espace. Et vous pourrez transférer donc à l'aide de votre compte de Bitcoin. Vous avez vu qu'on vous a mis un exemple, vous avez Uphold, Xapo, CoinPayment, il y en a bien d'autres. À vous de rechercher la meilleure plateforme, celle qui vous correspond sur Internet. Il y en a au moins une vingtaine, et de savoir avec laquelle vous avez envie de travailler. En ce qui concerne les transactions, elles se font entre 1 heure et 3 heures. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez rapide par rapport même aux banques et aux virements SEPA. Alors, une chose qui est très importante, c'est que votre compte personnel, votre espace personnel dans CTBS, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne avec derrière des informaticiens qui doivent
être là en permanence de manière à surveiller, à alimenter, à réparer et à entretenir cet espace personnel. Eh bien, vous savez que ça a un coût. Et dans n'importe quel business dans lequel vous serez, eh bien, on vous demandera de payer un droit d'entrée, des cotisations annuelles et puis des frais de tenue, donc de compte pour cet espace personnel. Eh bien, ici, la compagnie donc a décidé que votre espace personnel sécurisé soit véritablement gratuit. Donc, ça, c'est une chose importante. Ça coûte en moyenne 1000 à 1200 dollars par an, quand même, ce maintien. Donc, regardez le cadeau qui vous est fait. C'est aussi un cadeau qui est très important. Parce que ça veut dire que l'argent que vous n'avez pas à mettre tous les mois pour les droits d'entrée et les cotisations annuelles, qui seront payées peut-être mensuellement, eh bien, cet argent-là, qui est de minimum 1000 à 1200 dollars, vous pouvez l'ajouter dans votre pack Wisdom. Donc, le cadeau qui vous est fait, profitez-en pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement à ce pack. Donc, le partenariat commercial donc, du CryptoPack Wisdom, eh bien, ici, nous avons donc inscrit quelques exemples. Et voilà, sur ces exemples, ce qui, en fait, va vous être proposé. Vous avez l'achat d'un pack qui est de 2000 dollars. Ça va vous générer une recette mensuelle de 600 dollars, soit un bénéfice annuel de 6600 dollars. Regardez, aujourd'hui, avec 2000 dollars, ça va vous permettre de pouvoir avoir un bénéfice annuel de 6600 dollars. C'est absolument exceptionnel, je vous le garantis. Mais regardez bien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, une personne qui aujourd'hui va démarrer un business, elle va le démarrer avec 10, 20, 30 000 dollars minimum. Regardez simplement avec, par exemple, un pack à 24 453 dollars. Vous allez avoir une recette mensuelle de 7 735 dollars 90, soit un bénéfice annuel de 80 694 dollars 90. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a très peu de gens dans le monde aujourd'hui en s'installant qui seront capables de générer avec si peu de prise, donc de risque au niveau de leur installation, une somme pareille au niveau d'un bénéfice annuel. Le risque zéro n'existe pas. Mais sachez qu'aujourd'hui, les gens qui prennent des risques, ce sont des gens qui s'installent au niveau des commerces ou au niveau de l'artisanat. La plupart, je vous demande pardon, la plupart, soit 90%, déposent le bilan sur la deuxième année. Là, vous avez un risque qui est réel. Ici, le risque, il est minime puisque vous avez vu qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conforté. Les banques s'intéressent à ces crypto-monnaies et de plus en plus de gens font de transactions. Je peux vous dire au niveau de la blockchain, il y a des transactions énormes qui sont réalisées journellement. Donc ici, vous êtes dans vraiment quelque chose qui va vous permettre, avec une somme minimale, de pouvoir générer un bénéfice maximal. Ça, retenez ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, vous voyez que, par exemple, si vous achetez un pack Wisdom à 33 033 dollars, vous aurez une recette annuelle mensuelle qui va de 9 999 dollars 90 et vous avez un bénéfice annuel qui sera de 109 998 dollars 90. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. Et rappelez-vous que, en plus de ça, eh bien, vous n'avez rien à faire. Puisque c'est véritablement la compagnie qui a les affaires avec elle pour réaliser le trading, avec effectivement des systèmes qui permettent d'avoir les meilleures façons de trader. Et puis vous avez également tout le minage fait également par la compagnie. Et donc ces deux tableaux vous permettent, eh bien, de pouvoir partager une partie de ces bénéfices qui vous sont exposés dans ce tableau aujourd'hui. Donc profitez-en. Faites en sorte de commencer rapidement et vous aurez l'opportunité de pouvoir générer des bénéfices importants et de pouvoir certainement, eh bien, avoir un mieux-être dans votre existence parce que je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais croyez-le, il y contribue fortement. Demandez des nouvelles à ceux qui n'en ont pas et ils vous diront que si vous en avez un peu, ben, vous avez bien de la chance.
eh bien là, vous avez la possibilité, non seulement vous, de vous inscrire dans ce business de partenariat commercial, mais également de pouvoir en parler autour de vous aux gens qui n'ont pas tellement de chance et de dire que bah, finalement, avec un petit peu d'argent, vous allez pouvoir avoir un mieux-être dans votre vie au quotidien. Donc, sachez que là-dessus, ne soyons pas égoïstes, mais partageons l'information largement avec ceux que nous aimons, toi, notre famille, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis. Vous avez certainement autour de vous des gens qui ont envie de gagner de l'argent. Venez leur proposer ce partenariat commercial. Alors, cette offre de lancement, comme vous avez pu l'entendre sur ce que je vous ai évoqué, eh bien, elle allait du 26 juin au 9 juillet. Le CryptoPack Wisdom, donc, à 1000 dollars. Et il y a eu une prolongation jusqu'au 12 juillet. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez encore 2 jours pour pouvoir accéder à ce CryptoPack Wisdom avec une valeur de 1000 dollars. Alors, il y a eu quelques exemples là, qui vous sont donnés sur ce slide. C'est-à-dire que vous avez au minimum 1000 dollars de solde. Ça s'adresse à ceux qui ont déjà un espace personnel, BTC, TBS, bien évidemment. Donc, si vous avez déjà un solde qui est de 1000 dollars, vous pouvez procéder à l'achat du CryptoPack Wisdom puisque vous avez encore 2 jours pour pouvoir y accéder. Vous pouvez donc, de votre solde, bien évidemment, l'acheter et du cumul de votre solde et de votre solde Wallet Wisdom, puisque vous avez vu que maintenant dans votre espace personnel, eh bien, vous avez le solde qui est inscrit, mais vous avez également un solde Wallet Wisdom. Vous pouvez cumuler les deux de manière à pouvoir accéder à l'achat de votre CryptoPack Wisdom. Vous avez également la possibilité d'ajouter en fait 1000 dollars si vous avez déjà 1000 dans votre solde ou en fonction de la somme que vous avez. La différence, eh bien, en plus, vous avez, imaginez que vous ayez 1300 dollars, eh bien, vous achèterez. Donc, si vous voulez atteindre 2000, vous renflouerez de 700 dollars. Mais imaginez que vous ayez 450 dollars, eh bien, à ce moment-là, vous aurez 650 dollars. Vous aurez 550 dollars à mettre de manière à faire. Donc, le cumul pour arriver à 1000 dollars et de manière à pouvoir effectuer l'achat de votre CryptoPack Wisdom. Et puis, vous n'avez pas suffisamment de solde, donc vous cumulez vos gains mensuels pour atteindre, jusqu'à présent, c'était 1000 dollars jusqu'au 12 juillet, bientôt ce sera eh bien 2000 dollars et à ce moment-là, vous pourrez accéder à l'achat d'un CryptoPack Wisdom. Voilà les différentes possibilités qui vous sont offertes pour ceux qui ont déjà, bien évidemment, cet espace personnel d'ouvert dans BTC TBS. Pour les nouveaux, eh bien, vous savez que vous avez encore possibilité jusqu'au 12 juillet de mettre 1000 dollars. Et puis, à partir du 13 juillet, il vous faudra donc 2000 dollars. Et je répète que c'est une somme qui est vraiment minime par rapport à ce que ça peut vous engendrer comme possibilité de gain d'argent. Vous avez également les nouveaux CryptoPacks Speed 2.1. Ça, ils ont pris donc naissance le 28 juin. Ce nouveau CryptoPack Speed 2.1, il est disponible à l'achat depuis votre espace personnel, BTC TBS, bien évidemment. Donc 2.1 par jour sur une durée de 70 jours ouvrés. Le prix du CryptoPack minimum est de 100 dollars et son maximum est de 50 000 dollars. Son bénéfice est de 147 dollars sur les 70 jours ouvrés. 147 dollars, 147%, excusez-moi, sur les 70 jours ouvrés. Vous voyez quelque chose qui est également très, très, très intéressant. Par contre, il faut également savoir qu'à partir du 12 juillet, ce CryptoPack Speed 2.1, eh bien, passera avec un minimum de 300 dollars jusqu'à un maximum de 999 dollars. Voilà ce qui sera donc possible de réaliser à partir du 13 juillet. Possibilité de retrait maintenant, le premier lundi du mois. Jusqu'à présent, pour les anciens, ils ont connu des possibilités de retrait tous les lundis.
Il faut savoir que le dernier retrait au niveau des lundis était ce lundi-ci. Donc, et que à partir donc de maintenant, eh bien, ce sera donc une fois par mois que vous aurez la possibilité de faire vos retraits. Donc, vous aurez pour ce faire également des commissions d'apporteurs d'affaires qui, au regard des gens que vous aurez référés dans ce business, eh bien, sur lesquels vous pourrez toucher une commission, comme un commercial de n'importe quelle société. Cette commission d'apporteur d'affaires, elle sera de 7% et de 3%. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans les slides à venir. Ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est véritablement accessible à toutes et à chacun, puisque vous avez juste à rentrer, acheter vos packs et laisser la compagnie faire le travail pour vous au niveau de partenariat. Maintenant, il y a également celles et ceux qui souhaiteraient développer ce partenariat en tant qu'apporteur d'affaires. Eh bien, à ce moment-là, chez BTC TPS, donc, vous aurez deux options de partenariat. Vous serez partenaire associé de l'entreprise ou partenaire associé et apporteur d'affaires. Partenaire associé de l'entreprise, c'est ce que nous venons de voir sur ce que je viens de vous expliquer. La deuxième chose, en tant que partenaire associé et d'apporteur d'affaires, eh bien, vous aurez donc à ce moment-là la possibilité de percevoir des commissions. Alors, exemple ici pour les CryptoPack Wisdom. En ce qui concerne les commissions directes, c'est-à-dire des apporteurs d'affaires, donc des gens que vous aurez inscrits directement, vous toucherez une commission de 10%. Et également une commission de 5% de vos apporteurs d'affaires. Puisque, en fait, si vous aidez ces gens à rentrer d'autres personnes dans ce business, là, vous devrez effectivement faire preuve de présence et de patience de manière à les aider à enregistrer une nouvelle personne. Eh bien, la compagnie a tenu bon, plutôt que de donner simplement une commission de 15% sur les gens que vous faites rentrer en direct, eh bien, de pouvoir vous permettre d'avoir une rétribution de manière à ce que les gens que vous aurez fait rentrer, eh bien, vous puissiez les aider. Et donc, c'est du temps que vous allez devoir y consacrer. Et à partir de ce moment-là, il est tout à fait juste que vous perceviez également une commission pour l'aide que vous leur apportez. Puis, la même chose pour le CryptoPack 2.1. Commission donc au niveau des directs de 7% et 3% donc au niveau des apporteurs d'affaires de ces directs. Donc c'est exactement la même chose puisque vous devrez également aider les personnes que vous aurez fait rentrer à pouvoir enregistrer d'autres personnes en dessous d'elles. Donc ça a été une répartition qui nous apparaît beaucoup plus judicieuse et là encore, plutôt que de donner 10% directement, on a préféré donner 7% et donner 3% pour les gens que vos directs feront. Donc, ceci sur l'ensemble des achats des CryptoPacks qui seront faits. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre et qui, en fait, rachète d'autres packs, eh bien, à chaque fois, vous percevrez cette commission, soit de 10% et de 5%, soit de 7% et de 3%. Bon, j'espère que c'est clair, c'est simple, hein, et vous avez donc ici l'ensemble de cette proposition de partenariat commercial en tant qu'apporteur d'affaires qui vous est faite. C'est la raison pour laquelle vous êtes bien évidemment partenaire associé quand vous entreprise, puisque c'est une obligation, et vous pouvez être également en plus apporteur d'affaires et générer des gains. Alors je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que vous allez non seulement permettre ce que je vous ai dit tout à l'heure à des gens de pouvoir gagner de l'argent, d'arrondir leur fin de mois et également peut-être même de pouvoir vivre uniquement avec ce partenariat commercial, mais en plus de ça, vous allez pouvoir également gagner de l'argent si vous les aidez à effectivement bien rentrer d'autres personnes et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire des gains qui seront loin d'être négligeables, croyez-le bien. Donc, ça vaut certainement le coup de vous pencher sur cette proposition commerciale de manière à pouvoir, bien évidemment, eh bien, gonfler vos revenus de manière substantielle ou de manière très importante en fonction de
votre investissement personnel, et je parle de ça, non pas d'investissement sur le plan pécunier, je parle de l'investissement personnel en fonction du travail que vous pourrez générer. Tableau des commissions d'apporteurs d'affaires, eh bien, elles nous sont ici résumées. Donc, les gens qui rentrent en direct, ou des Wisdom, eh bien, seront donc rémunérés avec 10%, et les Speed 2.1 seront à 7%. Et ensuite, vous recevrez une commission parce que vous aidez vos directs, c'est ce que je vous ai expliqué. Et à partir de ce moment-là, pour les gens qui sont Wisdom et qui font rentrer des Wisdom, eh bien, vous recevrez une commission de 5%. Et pour les gens donc, avec des packs Speed 2.1, eh bien, vous recevrez donc une commission pour aider vos directs de 3%. Donc, voilà la manière dont nous allons pouvoir vous rémunérer au niveau d'apporteur d'affaires. Vous voyez que c'est vraiment intéressant de vous pencher sur cette proposition. Elle vaut son pesant d'or. Alors, en ce qui concerne l'aménagement de votre espace personnel sécurisé, donc dans BTC TPS, eh bien, vous avez pu remarquer pour les anciens que sur la page principale maintenant de votre espace personnel apparaissent donc des options pratiques et très utiles. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a été bien pensé, bien vu, et d'un premier coup d'œil sur votre home page, vous avez l'ensemble des informations qui sont présentes ici, c'est-à-dire une information présentant des CryptoPacks actifs ainsi que le montant total des CryptoPacks que vous avez achetés, mais je vous trouvais intéressant que les CryptoPacks actifs apparaissent, puisque c'est là-dessus que nous sommes bien évidemment rémunérés au niveau de ce partenariat commercial. Une information également sur les retraits, avec donc différents types, c'est-à-dire sur l'ensemble des retraits qui ont été effectués, puis les retraits qui peuvent être également en attente, une information des gains des CryptoPacks perçus cumulés, et une information des commissions d'apporteurs d'affaires perçues cumulées. Donc ça, vous l'avez quand vous entrez directement au niveau de votre page d'accueil. Donc, voilà cette présentation telle qu'elle peut vous être proposée aujourd'hui et qui peut vous permettre effectivement de générer eh bien, des gains importants. Alors, nous allons vous la résumer. Donc, dans ce business, vous créez un espace personnel sécurisé BTC TPS. Et pour ce faire, vous avez, avant d'entrer, donc des vidéos tutoriels sur la page d'accueil de BTC TPS. Vous devrez ouvrir également un compte en crypto-monnaie, alors que ce soit Eupo, Xapo, CoinPayment, Blockchain, CryptoPay, il y en a d'autres, hein, la liste est loin d'être exhaustive. Donc ceci pour effectuer vos transactions. Et là aussi, vous voyez donc sur cette première page, cette page d'accueil, des vidéos tutoriels pour vous permettre de savoir comment fonctionner avec ces comptes. Vous pouvez acheter ensuite donc en Bitcoin soit des CryptoPacks Wisdom de 2000 à 50 000 dollars ou des CryptoPacks Speed 2.1 de 300 dollars à 999 dollars. Ça, ceci, effectivement, c'est ce qui va partir du. Ensuite, eh bien, les CryptoPacks Wisdom ont une durée donc de 11 mois. Et les CryptoPacks Speed 2.1 ont une durée de 70 jours ouvrés. Au niveau des rémunérations, la rémunération donc qui est prévue sur les Wisdom est de 30% sur le montant du ou des CryptoPacks que vous aurez, qui sont bien évidemment des CryptoPacks actifs. Les montants seront payés le premier lundi du mois. Et en fait, c'est le retrait qui sera fait le premier lundi du mois, mais ce sera payé sur 30 jours calendaires. C'est-à-dire que c'est la date d'achat de votre pack qui va effectivement engendrer le paiement. Et ensuite, le retrait, eh bien, se fera le premier lundi du mois. Mais il faudra qu'il y ait 30 jours effectifs. Si par exemple, entrez le 1er juillet, bien évidemment, le premier lundi d'août, vous serez payé. Mais si vous entrez le 15 juillet, il n'y aura pas 30 jours.
donc calendaire, de la durée de ce premier CryptoPack. Donc, vous devrez attendre le début septembre, le premier lundi de septembre, pour être rémunéré. Voilà la manière dont ça se passe. Alors, les retraits en Bitcoin, donc par l'intermédiaire de votre espace personnel BTC TPS, donc tous les premiers lundis du mois sur votre passerelle de paiement. Pour ce qui est du domaine des CryptoPack Wisdom, le retrait se fera chaque mois de manière automatique, c'est-à-dire que ça ira dans vos retraits en attente et vous aurez le virement qui sera fait directement sur les passerelles de paiement. Ensuite, pour les CryptoPack Speed 2.1, eh bien, vous aurez donc un paiement automatique également. Non, vous aurez un paiement sur demande, excusez-moi, qui sera également effectué tous les premiers lundis du mois. En ce qui concerne donc le partenariat commercial, eh bien, vous pouvez donc recommander ce partenariat commercial à toute personne physique et morale et bénéficier d'une commission d'apporteur d'affaires de 10% et de 5% pour les Wisdom et de 7% et de 3% pour les Speed 2.1. Votre CryptoPack Wisdom arrivera à maturité au terme des 11 mois pour un bénéfice total de 330% du montant initial de ce CryptoPack. Et votre CryptoPack Speed 2.1 arrivera à maturité au terme des 70 jours ouvrés pour un bénéfice de 147 $ du montant initial de ce CryptoPack et de chaque CryptoPack Speed 2.1. Voilà l'ensemble de ce résumé. Bon, il paraît assez clair, assez simple. Si vous avez bien évidemment besoin de réécouter cette présentation, je pense qu'elle sera mise en ligne et vous aurez donc la possibilité de revoir ces slides et de réécouter mes commentaires. En ce qui concerne la possibilité d'avoir de l'aide, vous avez un service de partenaire associé qui vous propose trois options. La première, c'est le support de BTC TPS qui est désormais accessible depuis votre espace personnel sécurisé. Donc, dans le menu à gauche, vous avez un onglet support. Cet onglet support, vous pouvez y accéder parce qu'il est ouvert tous les jours qui sont des jours exclus les samedis et dimanches, donc qui sont des jours ouvrés. Cet espace personnel, au niveau du support, est ouvert tous les jours, 15 h à 21 h, horaire de Paris et de Madrid. Sont exclus le samedi, le dimanche et bien évidemment les jours fériés. Ensuite, la possibilité d'avoir également un service, c'est en vous adressant à l'apporteur d'affaires qui vous a inscrit dans ce partenariat commercial. Donc, puisque lui, il y est déjà, il a déjà une connaissance sur laquelle vous pourrez vous reposer. Et puis, il y a une autre possibilité également, qui sont les questions fréquemment posées, qui sont mises à jour régulièrement sur votre bureau virtuel, donc BTC TBS, au niveau de l'accueil, donc au niveau de votre espace personnel. Vous aurez la possibilité d'avoir accès à ces questions fréquemment posées avec une mise à jour régulière. Donc, vous voyez que, en ce qui concerne l'aide que vous allez pouvoir obtenir, elle est importante puisque, avec ces trois options, normalement, vous aurez fait le tour. Bien évidemment, s'il y avait vraiment une question qui reste en suspens, vous avez toujours la possibilité de la poser au support qui, je vous le rappelle, est ouvert tous les jours de 15 h à 20 h, sauf samedi, dimanche et jours fériés. Il y a une chose qui est importante également pour aussi bien les anciens membres que les nouveaux, eh bien, c'est de faire la connaissance de notre PDG qui s'appelle Monsieur Pedro Faure et qui est un homme d'affaires qui, en fait, est issu, qui a fait des études commerciales poussées, universitaires sur l'Espagne, qui a été formé également par son père, qui était déjà un homme d'affaires, qui a passé 23 années au niveau du directoire d'une des banques les plus importantes au monde. Donc, vous voyez que dans le domaine de ce qui est du domaine du business et de la finance, c'est quelqu'un qui a quand même une connaissance et une pratique absolument colossale. Et
il a donc créé un site qui s'appelle, comme vous pouvez le voir affiché sur ce slide, c'est un HTTPS, donc c'est un site sécurisé, www.soypedrofort.com, ça veut dire en espagnol, je suis Pedro Fort, voilà. Et donc, slash fr, slash l'homme d'affaires, Fort. Et je vous encourage véritablement à aller voir les articles qu'il écrit parce que non seulement il parle de lui, de son parcours, mais il va également échanger avec vous l'ensemble de la vision du monde en pleine mutation dans laquelle nous sommes et la nécessité d'avoir une adaptabilité absolument optimale. S'adapter aujourd'hui, c'est le maître mot. Si effectivement vous voulez durer, eh bien, il faut véritablement aider. Franchement, vous savez, vous entendez cette expression maintenant, surfer sur la vague. Eh bien, c'est exactement ça. Et quand j'entends des membres qui disent, oh là là, mais ça a encore changé. Mais soyez heureux que ça change, parce que ça veut dire que justement, ça permet de réagir très vite et de pouvoir être toujours là. Donc, soyez, je dirais, beaucoup plus souple et soyez véritablement heureux que la société fasse des changements rapides et vous permettre, grâce à ces changements rapides, de pouvoir continuer à gagner de l'argent, hein. Donc, vous voyez que la façon de voir les choses, eh bien, aujourd'hui, ne peut plus être avec un regard figé, puisque, comme vous le savez, tout va très, 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 très vite. Si vous ne vous adaptez pas, et du reste, c'est vrai dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, s'adapter, c'est devenir beaucoup plus souple, eh bien, vous savez qu'on finit par casser, et certains créent des stress tels qu'ils arrivent même à être handicapé et à en mourir. Donc, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le business. Il faut être souple, s'adapter de manière à perdurer. Eh bien, ça, Pedro Faure l'a très bien compris. Il le met en pratique au quotidien, qui, en fait, va être expansif. C'est quelqu'un de redoutablement efficace. Et c'est ce qu'il nous faut de manière à pouvoir nous adapter. Donc, soyez contents des changements et, je dirais, arrêtez de râler pour celles et ceux qui râlent. Et soyez contents, effectivement, qu'on puisse véritablement s'adapter comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, je vous encourage véritablement à aller sur ce site et pendant cet été, d'aller lire l'ensemble des articles qu'il met, qui paraissent régulièrement. Voilà, j'en ai fini donc avec cette présentation. Je vous rappelle que, eh bien, si vous avez une question à poser compte tenu des trois possibilités que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que sur votre page d'accueil de votre espace personnel, accessibilité aux tutoriels qui vous permettent de savoir comment faire pour vous inscrire et pour fonctionner avec votre site. Donc, en ce qui concerne l'apport d'argent, eh bien, tout est expliqué. Vous avez également la possibilité de vous adresser à la personne qui vous a proposé ce partenariat en tant qu'apporteur d'affaires. Et puis, vous avez également le support qui est ouvert de 15h. Donc à 21h tous les jours ouvrés. Et si vous avez des questions qui restent en suspens malgré tout, eh bien vous pourrez les poser au support à ce moment-là. Voilà, c'est la raison pour laquelle donc, nous ne faisons plus de questions-réponses, puisque vous avez compris que en ce qui concerne la possibilité de regarder à nouveau et d'écouter cette présentation, vous aurez la possibilité de saisir des explications que vous n'aviez peut-être pas saisies la première fois, parce que ça fait, je vous l'accorde, beaucoup d'informations, mais que grâce à ce bis repetitas, eh bien, vous pourrez à nouveau avoir une meilleure compréhension et puis ben, l'ensemble des possibilités que je vous ai donc énumérées. Donc, vous avez compris que c'est une excellente initiative de partenariat commercial et j'espère que la plupart d'entre vous nous rejoindront dans cette entreprise qui véritablement donc vous propose quelque chose d'absolument exceptionnel et le mot revêt toute sa valeur par rapport à ce qui vous est proposé aujourd'hui. Et je puis vous dire que dans les temps à venir qui sont relativement proches, d'autres choses également nous seront proposées, mais pour le moment, ce qui vous est proposé là, c'est absolument exceptionnel. Alors, pour celles et ceux, eh bien, qui ne seront pas partis en vacances au niveau du mois de juillet, je referai donc une présentation mercredi soir à la même heure à 21h. Pour les autres, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances.
Sachez que le groupe continue à travailler pour vous. Ça aussi, c'est une nouvelle excellente puisque vous pouvez partir en vacances, mais vous serez quand même payé, vous serez rémunéré, vous toucherez quand même des bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis pour les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à 21h pour cette nouvelle présentation de BTC TBS. Et je vous rappelle que après le 15, eh bien, nous aurons des présentations durant cette période de vacances, une fois par semaine, les mercredis à 21h. Merci de m'avoir suivi sur cette présentation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je suis très heureux d'avoir partagé ces informations avec vous. Je vous rappelle que c'est bénévolement, mais que c'est vraiment avec plaisir donc, que je vous partage l'ensemble de ces informations. Belle soirée, à très bientôt. Au revoir.